Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 8ème épisode dans Let's Play sur Nexomon. Dans l'épisode précédent, on était à la recherche du superviseur, on devait le rejoindre à sa maison. Mais bah, sauf que je ne sais pas où est sa maison, on a cherché dans les zones suivantes, mais à un moment donné on était bloqué. Donc là je suis revenu au village de la montagne. Puis bah, du coup on va essayer de trouver la maison du superviseur. On va en profiter pour acheter des Nexotraps, des objets de soins aussi, parce que j'ai utilisé quelques potions. Bientôt. Bon, on a quasiment capturé une cinquantaine de Nexomon, je sais plus à combien on est, mais 49 sur 310, donc c'est plutôt pas mal. On avance relativement bien là-dessus. C'est pas ici. Où est la maison d'Ivan, s'il vous plaît? Pas d'Ivan de Rémus. Possible. On va aller là-haut. Ah, il est là. Bonjour. Qu'y a-t-il? Interphone avec la diffusion du Nexolord. Il a disparu. Quoi? Il semblerait que quelqu'un l'ait pris pendant que j'étais absent. Pensez-vous que c'était ce type suspect de tout à l'heure? Nous ne savions pas qu'il voulait vos affaires. Ou bien qu'attendez-vous? Si vous voulez lire la transmission, vous devez trouver l'appareil. Encore un contretemps. Je suppose que nous n'avons pas le choix. Dépêchons-nous de retourner en ville pour chercher les indices. Allez, on s'en va. Parle de la ville-ville ou est-ce qu'il parle d'ici de la zone? C'est un grand questionnement. Ah, il y a le policier. Et la petite dame n'est plus là non plus. Oh, bonjour, c'est encore vous? Hein, qu'y a-t-il? Vous semblez être pressé. Il y a eu un vol. Quelqu'un a volé l'interphone du superviseur. L'interphone du superviseur? Intéressant. Vous savez quoi? Je pense que je peux vous aider. Par quel moyen? J'ai observé cette ville toute la journée, vous vous souvenez, et j'ai vu un homme suspect. Vraiment? Où est-il allé? Il est allé dans la grotte de la montagne à l'ouest. J'avais en fait l'intention de le suivre, car cela pourrait être lié à mon enquête. Voulez-vous venir avec moi? Alors nous devons donc retourner dans cette grotte? Bien, allons-y. Ok. Deux lentilles brûlées. Bon bah let's go hein.
peu efficace contre le vent. J'essaie toujours de voir s'il n'y a pas des Nexomon que je n'ai pas, mais... Shérif, il monte à niveau. D'ailleurs, j'ai pas regardé ce qui est les compétences de Ferocer. Peut-être mieux comme ça. J'en profite pour entraîner mes Nexomon parce que je sais pas quel. Je pense que le voleur va avoir des Nexomon. Donc, comment vous appelez-vous? Mon nom est Brice, je suis un agent spécial travaillant sur une enquête top secrète. C'est tout ce que je peux vous dire à propos de mon travail. Est-ce lié au Nexolord? Comment avez-vous pu? Je veux dire, peut-être. De toute façon, nous devons nous dépêcher, la grotte n'est pas très loin. Oui, j'en profite pour entraîner mes Nexon, parce que comme je sais pas à quel niveau vont être le voleur, je pense qu'il va en avoir aussi, et je sais pas à quel niveau vont être les siens s'il en a, donc forcément. Autant assurer le coup, puis de toute façon c'est jamais perdu de l'expérience. Nexomon était encore dans l'endurance, il pourra utiliser aucune compétence. Okay. Hop, j'ai vu un truc là qui pouvait m'intéresser. Ce criminel doit être tout près. Ne vous inquiétez pas les enfants, si nous le trouvons, je m'occupe de lui et vous restez rentrés. Oh, c'est bon, nous avons déjà battu un superviseur. Vous avez fait quoi? Continuons. Je veux juste voir un truc, si je peux ressortir. J'avais pas fait attention. Mais il y a un rail juste là. Je peux pas le prendre. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être une zone cachée ou quelque chose comme ça ici. Sait-on jamais, hein. J'ai mis un gelé.
Ah, il est là le voleur, je le vois. Bien, voleur, rends-toi. Qui êtes-vous? Je suis l'agent spécial Brice Forte de la Nexogard. Tu es en état d'arrestation. La Nexogard? Ah, pas moi? C'est une blague. Que diable pensez-vous que j'ai fait? Rends tous les objets volés maintenant. Jamais, j'ai trouvé un tas de Nexobox et maintenant j'ai une armée imbattable. Prends ça! Ok, il y a 4 Nexomon. Ferrocerra et Ferrocerra est plutôt balèze. Quoi. Oh, allez! Ça. Mes Nexomon. En premier lieu, ce ne sont pas les tiens. Maintenant, remets-nous l'interphone superviseur. Ce morceau de ferraille? Je peux même pas lire ce qu'il dit. Prenez-le. Interphone de Ramus reçu. Hé, hey, attends! Est-ce qu'on le poursuit? Bien, au moins nous avons l'interphone. Je suis sûr que Brice peut se charger de ce voleur tout seul. Retournons vers Ramus afin que nous puissions lire le message du Nexolord. Je suis si excité. Ce qu'on va faire, c'est que tant qu'on est là, on va remettre Blizzo en leader. S'il peut faire un ou deux petits combats avant de sortir de la grotte. Je sais pas si je veux combattre Ramus du coup. Ça va, on monte quand même, enfin, on gagne pas mal d'expérience à chaque fois. Ça, les niveaux montent assez vite. Et hop, une évolution. Très bizarre le mono-sourcil du Blizzy. Bisous. Félicitations. Blizzo évolue en Blizzbro.
Déjà ça va être mieux, il va taper un peu plus fort. Toujours faire des petits combats au fur et à mesure. Désolé pour les sonneries. J'aimerais bien combattre Famus pour voir. Ça peut être sympa. À chaque fois, je vais là-dedans pour me soigner. Je préfère être bien soigné parce qu'on ne sait jamais si on affronte Famus. Il va peut-être être assez, il va peut-être être fort donc. Famus, nous avons l'interphone. Restez en arrière. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien. Bonjour les enfants. S'il vous plaît, pas un champion. Admirez, je suis Nadine, la championne du vent. Il semblerait que le petit rat complote contre le tout-puissant Nexolord. Regardez-moi, gamin, car je vais vous donner aujourd'hui la punition que vous méritez. J'ai entendu parler de ce que tu as fait, Yvan, petit enfant. Pas mal du tout. Mais je ne suis pas aussi miséricordieuse que Fenrir. Non, car personne ne peut s'opposer au Nexolord. Famus, élimine-les. Famus! À vos ordres, Madame Nadine. Préparez-vous.
Attendez, nous ne sommes pas obligés de faire ça. Il le faut. Maintenant, montrez-moi ce que vous savez faire. Oh, sur le coup, j'ai cru que j'allais affronter Nadine, mais non, on affronte plus. Bro duo. Ça valait le coup de s'entraîner hein, pendant ce temps-là aussi. Coup de tête balayette. Onsloceros. Il est plutôt pas mal. On va se soigner. On va se re-soigner. On connaît, tiens. Qui me fait 30, je devrais encaisser, même s'il me fait 32, 33. Tant qu'il fait pas 34, 37, ça va. Bien joué, Blizzo. T'as fait un bon combat. Enfin, Blizzbro. Ah, il reste un. Oh, le boulet, j'ai pas pensé. J'ai pas fait attention qu'il restait un. Hein. Je me suis dit qu'il y en avait 4 et. J'ai perdu. Penses-tu que je sois stupide, Remus? Tu as laissé cet enfant gagner. Il n'était vraiment pas de taille contre toi, idiot. Tu me déçois, Remus. Un puissant superviseur qui ne sert plus à rien. Il me semble que c'est à moi d'éliminer chacun de vous. Ah! Fuyez, maintenant! Hé, nous ne pouvons pas vous abandonner. Idiot, vous n'êtes pas de taille contre Nadine. Tous vos efforts seront vains si vous l'affrontez. Je vais nettoyer cette montagne de chacun de vous, bande de rats. Les enfants, vous ne me laissez pas le choix. Va-t'en! Ah! Alors, va trouver ton ami si tu ne veux pas fuir non plus. Montre-moi ce que tu sais faire, championne du vent. Je vais mettre fin à ta triste histoire, Remus. Donc voilà la dame avec les cheveux verts qui cause des problèmes. Hé, hey, gamin! Est-ce que tout va bien? Que s'est-il passé? Je vois. Alors, le superviseur Remus a combattu cette femme volante. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il se passe. Le vacarme semble s'être arrêté. Je devrais aller vérifier. Tu devrais peut-être rester ici. Ça me donne envie d'aller voir. C'est donc ça le pouvoir des guerriers du Nexolord. Où est Remus? Il va probablement bien. Je suppose que vous ne le savez pas, mais... Remus est le seul et unique dresseur d'histoire qui pouvait rivaliser au combat avec le Nexolord.
Il était le précédent Exolord, d'après tout. Je parie qu'il se cache quelque part en sécurité en ce moment même. Qui êtes-vous exactement, Brice? Je suppose que vous avez le droit de savoir. Je suis un agent spécial de l'Anexogarde, une organisation qui protège les humains ainsi que les Nexomon. Nous pensons que le Nexolord planifie quelque chose d'horrible, et j'ai été envoyé ici pour enquêter. Vous êtes venu ici en espérant que Ramus vous montrera le message chiffré du Nexolord, n'est-ce pas? Oui, mais sans lui, nous ne pouvons pas lire le message. Oh, pourquoi n'iriez-vous pas parler à la superviseuse Hira? La superviseuse Hira? N'est-ce pas celle qui vit dans une ville volcanique ou quelque chose comme ça? C'est juste, elle vit à proximité d'Initia, donc ça pourrait valoir la peine de lui rendre visite. Cependant, contrairement à Ramus, elle soutient probablement le Nexolord. Quoi? Comment allons-nous l'obliger à nous montrer le message? Vous n'avez rien à craindre. Vous avez déjà combattu deux superviseurs déjà. Viendrez-vous avec nous? Je le regrette, je dois faire mon rapport immédiatement à mes supérieurs au siège de la Nexogarde. Mais je vous promets que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Mes camarades vont organiser une battue pour retrouver Ramus et nous frapperons le Nexolord ensemble. Génial, je parie que Ramus peut battre le Nexolord. Merci Brice, on se met en route pour Initia dès maintenant. Enfin, d'abord, on va les soigner. Overseer Remus has gone missing after fighting a mysterious woman by the name of Nadine. Without Remus, our heroes must find yet another overseer to discover the Nexolord's plans. Now we must travel to the volcanic city of Ignitia and speak with the overseer of fire. Hop. On va le soigner, puis Et devine quoi? Ellie vient nous rendre visite, elle a une surprise pour toi. Elle nous attend quelque part vers la sortie est, nous devrions y aller quand tu seras prêt. N'oublie pas de soigner tes Nexomon et de faire des provisions. Let's go. On a perdu notre Blizzbro quand même. C'est fait, votre groupe va très bien maintenant. A bientôt. Et merci infirmière Joël. Et bah YouTube, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Twitch, on va continuer tout de suite. Donc YouTube, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur... Nexomon, et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!